lancé. Vous savez que le grenier du rire, ça existe depuis 45 ans d'existence, de succès à Paris, ici, aux 3 rues Rennequin, dans le 17e. Et bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Début 2025, nous ouvrons un grenier du rire à Angers, messieurs, dames. Angers, ouais. Que vous allez vous éclater au duplex en partenariat avec la salle de duplex. Et en plus, il y aura un petit plus. Les gens qui sont là ce soir, ils viendront aussi à Angers. Parce que là-bas, à Angers, on a tous nos humoristes, imitateurs, magiciens qui seront là-bas pour le show. L'autre jour, tiens, vous voyez, j'étais à la gare, j'attendais mon train tranquillement. D'un seul coup, comme ça, en pleine gare, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu la voix de Jean-Pierre Foucault. Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV numéro 6912 en direction de Paris-Gare de Lyon partira avec un retard de 5 minutes. Réponse A. 5 heures. Réponse B. 5 semaines. Réponse C. 5 ans. Réponse D. Je rappelle que vous pouvez appeler un ami qui m'aidera à vous chercher en voiture. Ah, voilà. Salut mes chéris, mes chéris, je vous le dis. Les Olympiades du Rire, on vous adore. Hein. On vous adore, mes chéris, on vous adore. Vous venez comme vous voulez sur le plateau, on vous adore. Mes chéris, ce soir, on va parler de plein de choses. On va parler notamment du nouveau gouvernement avec cette question. Mes petites bontés, écoutez bien. Après Rachida Dati à la culture, faut-il nommer Pierre Palmade au transport? J'adore. Eh, hey, Pierre Palmade, on l'adore en plus. Eh, hey, hey, Pierre Palmade, mon chéri, on t'adore. On t'embrasse. Eh, hey, tu viens quand tu veux sur le plateau. Enfin, tu déconnes pas, tu viens en métro. Hein. Voilà. Hey. Par exemple, bah, très bon exemple, ça, Michael. Michael ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, Zinedine ? Il y en a qu'un. Mimi ? Il y en a qu'une. Bon, une moitié, mais une bonne moitié quand même. Lady ? Qui a dit Mitchell? Les Dimitri. C'est rien, les gens sont bizarres. Bah oui, les plus perspicaces d'entre vous, sans doute, déjà, je ne déchire pas le journal. Je fais semblant. En fait, ce que je fais, c'est que je souffle sur le papier. Ça fait le bruit. Du papier qu'on déchire. Voilà. Si vous le faites à la maison, attention sur la fin. Il faut mimer que c'est dur, parce qu'il y a plus d'épaisseur. Ouais, j'ai jamais dit que je savais mimer, je pensais que j'avais oublié une info importante, j'avais oublié que c'était l'équipe. Normalement, je suis censé faire des grands gestes obscurs hein, pour justifier mon salaire. J'ai pas besoin, puisque j'ai jamais vraiment déchiré le journal. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un journal totalement restauré sous les applaudissements d'une foule. En délire, qui monte sur les tables, casse les chaises. Mais vous êtes fous. Bonsoir. Y a-t-il parmi vous des personnes qui ne sont jamais allées à la chasse à coups? Alors je vous invite fort volontiers pour commencer à mettre une ambiance. Nous aurions besoin des cors de chasse, des trompes de chasse. Alors mesdames, si vous pouviez reprendre selon le modèle suivant. Attention mesdames, 3, 4, les cors. Oh, c'est grand corps malade. Non, mesdames, vous dégagez bien les épaules en arrière, vous respirez bien à fond. Deuxième essai, beaucoup plus fort, 3, 4, les cors. C'est mieux. Alors maintenant, il faudrait des chiens, messieurs. On peut faire un bruit de meute, les garçons, allez-y. Mais c'est la meute à sa mère. Une meute de Yorkshire. Moi, je crois en Dieu parce que justement, je m'appelle Michel et Michel, c'est d'origine hébreu, ça signifie qui est comme Dieu. Alors Claire, si tu veux, tu peux m'appeler le dieu Michel, voilà. En anglais, Godmish. Et je suis sûr que t'aimerais bien m'avoir dans ton sac. Oui, mesdames, alors... Moi, ce qui me fait peur, c'est la psychose, mesdames et messieurs. La psychose me fait vraiment très peur. Ah ouais, ça me fait très très peur. Je vous dis ça parce que l'été dernier, j'étais à Arcachon. J'ai vu un gars péter les plombs comme ça. Non mais madame, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? En la République! C'est un pénalique, c'est une honte! J'ai dit calmez-vous monsieur, parce que vous êtes en train de parler à un parasol fermé quand même.
Il y aura aussi des danseuses, Anabi Circus, qui sera avec nous en partenariat à Angers, au Duplex. Et à Angers, je suis sûr qu'à Angers, vous aurez aussi un grand public de malades comme ici. Ils sont là, les gars.